أحمدية لا يوهان كدي بحال ديك القصه كاين كي داير شي باي شي مسير اللي كيف كتقول هز بعد هز بعد محمدية محمدية الرباط كذا شكون كذا هذا اللي كذا بلونكي هذا اللي كذا بلونكي تري تري بيان اللي كذا بلونكي كون جو دوموند دو ترافايي اون غروب علي شيرشي لي رباط كيز اون بوكو دو شوز ا ابروند دو فو culturalité du Maroc. Et pour pas se sentir offensé, moi je le dis par amour, parce que j'ai vécu dans cette ville 7 ans et je l'adore. Donc c'est extraordinaire. Mais nous qu'est-ce que nous venons pas tout casa, casa, l'exercice tout à l'heure, nous qu'est-ce que nous. Après je vous raconterai des blagues, vous allez vous raconter des blagues. Alors est-ce qu'il y a d'autres villes? Non. Salé. Ça c'est le grand là. On sort prof. Vous êtes directeur, attendez.
j'ai oublié, il y a des directeurs parmi nous. Mais il était prof. Voilà. Malheureusement, prof. En fait, quand on rentre dans toutes les entreprises du monde, on vous parle de gestion de carrière. Et on vous dit, vous allez escalader les échelons, vous allez commencer petit, et après vous allez grandir. Et on vous vend un peu du rêve pour que vous, après, vous projetez. Et on fait des white one de carrière pour qu'à la fin, vous êtes directeur d'entreprise, ou vous êtes directeur financier, directeur marketing. Ici, on ne peut pas devenir directeur de physique, ni directeur de chimie, ni directeur de philosophie. Je suis prof de philosophie. Je reste toute ma vie prof de philosophie, et je termine prof de philosophie, et je donne le maximum possible. Et c'est pour ça que j'adore ce métier. J'adore ce métier, ça fait 21 ans maintenant, bientôt 21 ans, que j'enseigne. Ça me fait des années, hein. Ne comptez pas. Parce que je sais que ça se voit pas. Ouais. Ça fait juste 3 ans que j'enseigne. Je viens de démarrer ma carrière. Donc, et ça fait 20 ans, oui, oui, c'est vrai. Depuis la naissance, j'enseigne. Oui. Vous avez raison. Vous savez pourquoi elle me l'a. Et c'est maman ou c'est. Donc, ma mère était enseignante. Elle est toujours, parce qu'un prof, même quand il est retraité, il reste enseignant. Ça, c'est la bénédiction de ce métier. Vous savez, même quand on est retraité, c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est pour ça que j'y suis restée. Parce que j'ai commencé à être enseignante et après j'ai viré, j'ai fait d'autres choses dans ma vie. Et à un moment donné, beaucoup de gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais dans l'enseignement? Non, t'as ton cabinet, t'as ton école, t'as ça. Qu'est-ce que tu fous dans l'enseignement? Je dis, l'enseignement, c'est mon serment. Je ferai tout, je construirai peut-être des buildings, mais je resterai tout le temps enseignante. Et c'est pour ça que je suis en train maintenant de donner cette conférence donc aux enseignants. La première fois quand maman Alaoui m'a contactée pour donner des conférences aux enseignants, vous le savez, c'est une première au Maroc. Il n'y a aucune structure qui donne comme ça des conférences spécialement aux enseignants. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai dit oui. En plus, pour cette année, j'avais un voyage, j'avais un stage à l'étranger et je l'ai décalé vraiment pour pouvoir faire cette conférence. Donc déjà, je vous remercie d'être là parce que vous me permettez un grand plaisir. C'est le plaisir, en fait, de nourrir ma passion d'enseignante et ensuite ma passion de partager avec les enseignants. Donc moi, je vous fais une grande révérence déjà. Voilà. Pour votre courage d'être venu ce matin à les intempéries. Je décale mon voyage, je veux quand même voir du monde. Mais un prof reste un prof. Ça, c'est le soldat, en fait, du savoir. C'est comme ça qu'on le définit. Alors, moi, je vais juste, pour démarrer, parce que j'ai envie de vous dire, oubliez les stylos, les feuilles. Pourquoi je suis là? L'objectif, c'est de passer un bon moment de bien-être. Pourquoi bien-être? Parce que quand on s'est réunis, et je vous assure que l'équipe de l'Université internationale de Casa, c'est une équipe de pros, parce qu'ils n'ont pas fait ça comme ça là. Tiens, on va inviter des étudiants, des enseignants. L'enseignant est un éternel étudiant. Non, non, on s'est réunis plusieurs fois l'année dernière pour pas le cadre, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'on peut donner à des enseignants. C'est compliqué, hein, enseigner un enseignant. C'est pas possible. Moi, ça passe pas dans ma tête. Je dis, écoute, l'enseignant, c'est quelqu'un qui donne. Je vous ai dit que quand je suis là, on part. Vous êtes déjà parti, c'est très bien. Parce que je suis hypnothérapeute aussi, ça me rassure. C'est très bien. C'est bien dit. C'est Hassan. Je sais. Vous êtes un kinesthésique. Je sais. C'est super. C'est génial. Vous êtes dans le discours interne kinesthésique. Vous avez des étudiants comme ça et des élèves. J'espère que vous en rendez compte. On a des élèves en classe, des étudiants, qui parfois, on a l'impression qu'ils sont partis. Et on fait...
en cours. Or, ils suivent, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes d'apprentissage. Il y en a qui ont besoin de voir, de se centrer en ayant les yeux. Bon, il y en a aussi qui sont sur le smartphone, mais ce n'est pas le temps. Donc, moi, je disais, effectivement, je disais quoi, Julien? Je me perds. Je suis partie. Ouais? Toi aussi, tu es partie, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi pour vérifier? Mais moi, je ne l'ai pas fait exprès parce que j'ai vraiment oublié. Ça m'arrive. Je suis tellement en transe que je parle. Alors, j'ai dit comment enseigner à un enseignant. Donc, en fait, on s'est réunis. Ça, c'est le 4. Et on s'est dit comment on va faire les choses. On a dit, écoute, l'enseignant, c'est quelqu'un qui donne tout dans la vie. Tout. Il y a des mots. C'était un con. Qui veut-ce qu'il rejoue? Oublié, qui veut-ce qu'il se rejoue au présent? J'adore Madame Paul Gail Chauvel. On sort lessivé. On sort vraiment fatigué, hein? Mais vraiment fatigué. Elle est bien rouge, elle est dans la vie. Elle est malade. Ou c'est lié, je fous machin d'abord. Elle douche, mais quand on le taille, elle dit qu'il joue, il joue. Et on lui m'a donné 5 minutes. 5 minutes, elle nous. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin de temps pour me recentrer. Donc, vraiment, c'est un métier où ça fait revenir, c'est de dire « ouais, alors, c'est ouais, alors, comment est-ce que c'est au liage, d'un ingénieur multinational, je vois là, c'est où c'est, là, où c'est, là, je veux dire, c'est des ouais, on se voit, c'est très beau, elle est trop fatiguée, tu vois, ouais, quand on dit « d'un ingénieur multinational, là, tu sais, là, un ami à lui, il est lié, tu vois, il y a une école, ou à quelle logistique, un directeur logistique, elle, qui est très bien, qui est aussi minable, que tu es professionnel. J'ai un ami qui est lié à, regarde, tu sais, là, c'est Hassan qui est le plus grand, Hassan Gouliana, ou le plus grand, à votre avis, je dis. Bien sûr, c'est, qui est jeune, je ne sais pas, elle, c'est bien, mais qui est jeune, qui, bien sûr, c'est intéressant, tu vas voir, test l'enseignement, en plus, tu expliques bien, tu es pédagogue, que je puisse. C'est Berry, l'étoile. Dès le cours de Noël, il a fait son premier cours. Dès le cours, dès qu'il a des maladies, vraiment, que tu n'es pas, comment ça s'est passé? Dès le cours, t'as dit, c'est fatigant. Dès le cours, t'es une fois par semaine. Très la tienne. Voilà, c'est très bien. Oui, il y a un très bien, au bras de que je suis structuré, au bras de que je suis organisé, on a un professionnel qui a une gueule. Il faut monter le cours. Il y a un bon. Il faut monter le cours, bien sûr, monte le cours. Mais c'est ingénieur, quoi, il y a un affaire. Il y a un monte le cours, dès les objectifs, il y a qui te monte. Il faut dès les objectifs pédagogiques, ou dès les sous-objectifs, ou dès l'évaluation. Il faut penser à l'évaluation sommative, il faut penser à l'évaluation. Il y a. Il a jeté l'éponge, il m'a dit non, je peux pas, parce que c'est très fatigant. Il m'a dit une seule chose, chapeau. Vraiment, hein, il m'a dit chapeau, et depuis ce moment-là, je suis tranquille avec lui, parce qu'il a compris un peu que le métier est très difficile. Donc, on va tous s'applaudir, tous, parce qu'on est prof. Ça vous arrive de vous applaudir? Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Good. Jamais. On va le faire aujourd'hui, ça va venir, c'est dans le programme. C'est juste pour vous donner. Hey, je ne suis pas prof de philo, moi. Il n'y a pas de prof de philo. C'est qui les profs de philo? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de prof de philo parmi nous. C'est pas normal. C'est qui les profs qu'on a? C'est prof de français. Français, levez le doigt. Le bras. Très bien. Prof de français, il m'a dit. Ma mère était prof de français. Alors, prof de maths.
المالت. ما عندوش هذا الشيء. اي فريق يقول لك علاش ناوى كل شيء باش ندير كل شيء باش يوري ولا كاع توريني شكون هي عندها تخيلتي شكون هي راجع على ما قلتيش هذا الشيء باش يدوز الوغ ما تبقيش تقري مات حيت ما كتفكرش هكا ما يمكنلكش تبقاي تقري مات غلطه في لورينتاسيون يا بروبليم كيكو بار ما تقدر تقول لك انا كنقري مات وبس يكلاتي كي سون بانا Physique, ça j'ai 17 en physique, j'adore la physique. Oui, oui, j'étais très très bonne de la physique. Mais après, je fais littérature. Hein. Je fais la je m'en suis rendu compte que la physique ne me servira à rien. Je me suis dit, j'ai un délire de la physique. Dès que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je connais que l'histoire géo. اجي اختي قلت لي حنا مولات المات تكاو على بعضياتكم تكاو ديروا الراس على الراس الو كيف ماتي اون كوريغيس العربيه رشيده vous êtes prof d'arabe de vrai prof d'arabe je vous assure que le maroc a un bel espoir de vendre rachida et choukri les étudiants diront vous allez le Je suis sûre que ta lettre de carrément, c'est un bon plan à l'arabe. Je suis sûre et certaine. Bien que les gens. C'est extraordinaire. Parce que la matière, c'est le prof. Alors, je peux l'évoquer Imen. Je fais off en le fait bon là, que je t'en parle.
Moi, elle est étudiante et je viens passer un bon moment à Hessina. Et de temps en temps, il faut le faire. À tous les niveaux. Si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans un gouffre. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Vous allez devenir triste. Aujourd'hui, on va rire. Vous allez devenir déprimé. Vous allez devenir fermé. Vous allez devenir quelque chose que tous les profs, il faut se mettre attention. Parce que là, il y a des statistiques qui ont été faites aussi à ce niveau-là. Les profs, avec le temps, deviennent rigides. Chikoun Mrigli, Akbar Mrigli, fait de bien. Qu'entre l'enseignement, progressivement, que tu es rigide. Blanc, maîtresse. Sans que tu t'en rendes compte, tu deviens rigide. Juste mettez le projecteur sur vous et vous allez trouver quelle est la somme de rigidité en vous. Quelle est, justement, on va laisser rigidité accrocher ici, souvenez-vous de ça. On va la laisser ici. On devient rigide. Et moi, c'est en devenant rigide que j'ai déprimé, que je suis partie voir un coach, que je me suis fait coacher. Je fais 24 séances de coaching, que j'ai découvert le coaching, que j'ai décidé de devenir coach, que j'ai fait des études de coaching. Je suis à peu près à quelque chose dans les 2000 ou 3000 heures de formation en coaching, que j'ai eu ma certification internationale, que j'ai eu l'accréditation, je suis parmi les rares Marocains à avoir l'accréditation internationale de la Société internationale du coach en PNL, que j'ai pu intégrer un groupe de chercheurs au Canada en tant que coach et auteur, que j'ai collaboré à l'écriture d'un livre avec ce groupe de chercheurs et que je suis aujourd'hui parmi eux. La programmation neurolinguistique, c'est l'étude de l'expérience
Vous savez, en tant qu'enseignant, il est extraordinaire d'être formé dans la PNL parce qu'on comprend comment fonctionne le cerveau humain au niveau de tout ce qui nous entoure à travers les cinq sens et comment en fait on rentre en relation et en lien avec le monde qui nous environne. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'apprentissage à travers la PNL. Apprendre à apprendre avec la PNL, par exemple, qui est magnifique. Alors ici, vous avez une feuille, il y a moi. Moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous. Pas moi. Vous mettez juste votre prénom en dessous, dans le cercle de ce moi. Et en fait, cette feuille va nous servir de juste de journal de bord. C'est une feuille que vous allez à la fin apporter avec vous. Et à chaque fois qu'on vit une expérience, je vais vous donner juste quelques secondes pour écrire quelque chose. Par exemple, tout à l'heure, vous vous souvenez ici, qu'est-ce que j'ai mis? La rigidité. C'est quoi la rigidité pour vous? Elle dit, quand tu es prof, tu calmes les élèves. Léna, les élèves. Ouais, flexibilité ou rigidité avec les élèves. Quoi d'autre? Oui? Souplesse? Oui. Le contraire, c'est la souplesse. Mais pourquoi vous me donnez des contraires? Moi, je vous ai demandé la définition de la rigidité. Intransigeance, c'est de l'aide physique. Parce que c'est le contraire qui est bien. La souplesse. Approche solution, elle est une seule, le physicien. Ouais. Alors oui, plus de CVL, plus de... D'accord, quoi d'autre? C'est quoi rigidité pour vous? La rigueur. La rigueur, c'est la rigueur. C'est le refus d'évoluer. Le refus d'évoluer. Le refus du changement. Le refus du changement. Alors, tout ce que vous avez dit, vous avez raison, parce que chacun part de sa carte du monde. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est tout ce que vous avez dit s'applique à vous. Ne pensez pas à vos élèves. Est-ce que déjà vous êtes flexible avec vous? Est-ce que vous êtes souple avec vous? Est-ce que vous êtes tout ce que vous avez dit avec vous? Oublions les élèves ce matin. On va en revenir de temps en temps. Mais un prof, il devient rigide. Et la première personne à laquelle il s'attaque, c'est soi-même. C'est soi-même. Elle est où c'est des gilets? Tu pardonnes plus en fait l'erreur, tu te permets plus l'erreur, tu te permets plus l'échec, tu te permets donc on est dans une persévérance continue. Alors ce papier va nous permettre d'évoluer le bout de cette matinée. À chaque fois qu'il y a un truc, je vous dis les papiers, ou je ne vous le dis pas, si vous sentez que c'est nécessaire, vous avez vu une idée qui est passée, quelque chose, une prise de conscience. Vous l'écrivez autour de ce cercle-là. Alors, première des choses à écrire, quel est votre taux de rigidité en pourcentage? Si c'est vous êtes rigide avec vous-même, je ne parle pas des élèves, on va les laisser de côté, avec vous-même, est-ce que c'est 100%, 90%, 80%, 60%, 50%, 40%, écrivez-le tout de suite. Allez-y, quand vous l'écrivez, moi je vais juste écrire ce... Je l'aime beaucoup, je l'appelle. Il s'appelle Tulia Metasi. Ça y est, c'est bon, vous c'est fait? C'est fait, très très bien. Alors maintenant, le deuxième document, s'il vous plaît, attends Tulia, le deuxième document que je vous distribue, je vous le distribue au déroulé. Haleka. Manchoufouche. Parce que c'est important qu'on démarre tous à la fois. Il s'agit d'une petite compétition qu'on va faire ensemble, qu'on va vous faire vivre comme vous faites vivre à vos étudiants. لا
plaît, les bas ouverts. Alors, s'il vous plaît. Oui. Mettre un bouche ou un train. Je connais riche. Vous, que je réveille. On va faire en fait un exercice. Vous savez, ce qu'on fait vivre à nos élèves, on va le vivre ensemble aujourd'hui. Ça va être extraordinaire. À l'exercice, on va voir, je voulais le dire, vous savez cela, vous savez le bal, vous savez les médias, vous savez le casa, vous savez le physique, vous savez le maths, vous savez l'arabie, vous savez le SVT. Oui, généralement, vous savez le maths qui sera au fait de l'exercice, on verra bien. Je trouve la Yamna. Yamna. Je vous. Yamna, je n'aurais pas dit. Mais en tout cas, généralement, on le sait rapidement. Ce que je vous propose, c'est une fois que je fais le top chrono, d'accord? Parce que mes ailes, c'est l'aide, Mbappé. Une fois que je. Elle est là-bas? Je peux vous lire l'arabe? Écoutez, Rachida, c'est l'arabe. Hein? Mais elle ne s'est mis à faire l'arabe. Je peux vous dire au BL. On mesure le temps. C'est l'ancêtre de l'horloge. C'est l'ancêtre de l'horloge. Je dirais, je vous le dis. Je sais qui dit. Alors, être l'ancêtre de l'horloge, elle doit être la durée. Quand je vais faire top, un très beau. Mais un très bel. Milade. Et là, je vous demande de vous concentrer sur votre épreuve. Moi, je vais faire le tour. Il y a des instructions. Julia, tu fais avec nous cet exercice. Tiens. Il y a des instructions. Il y a des instructions. Vous suivez les instructions. Si on vous demande de dire des choses, vous les dites. Elle dit, Walida, est-ce que je peux répondre? Oui. Maman, ma carte d'âge, je me jure. Maman, elle a fait ouais, la conférence, elle a dit. Elle est dit, Maya. Elle est dit, Maya. Surtout façon. Yeah! Je vous fais une note. Elle trouve stylouette. Dès que je fais top chrono, vous savez, des yeux, moi, c'est ça. Chauve, elle est dynamisante, ou elle est grise. Abota, mais nous avons joué. Abota, c'est la dame, c'est le long qui doit. Yalla, 1, 2, 3, top. C'est Allah. Toi, je pense, toi, tu as déjà fait cet exercice, je pense que tu vas finir plus vite. Allez, c'est lié à l'oulam qui me soubèche. Parce qu'elle était là l'année dernière. Allez, répondez. Oui. Allez, continuez. Je suis très bien, je suis très bien. Je suis très bien.
Inès, Catherine. Catherine, bravo, tu avances très très bien. Et tu manques pas Esther, ceux qui finissent en premier ne manquent pas les résultats au dernier. Maintenant, c'est gauche. Les gens sont
humain. Et comment se fait-il qu'effectivement, parfois, quelque chose belle, là, ça crève les yeux, parce que c'est belle, elle est l'environnement te conditionne. Il y a la boule où il y a des mecs qui fait, je t'ai trop lutte. Troisième cycle, la BMCE, l'enquête, machin.
Ouais, Guillaume Noël, ouais, exprès, mais à la fin de la formation, on peut te préparer pour le poste directrice de formation. Faites la BFCE, très saine d'être mon ingénierie de formation pour les futurs directeurs de A à Z. Ils ont apprécié le boulot, quel croche ou j'aime le là, je ne l'ai pas fait. Avec un bon salaire, c'était le double à l'époque de mon salaire d'enseignante et encore plus avec les indemnités. Mais là, elle a 13 à moi, la 14, rien. Oui, mais c'est pas grave. Et la 13e, la. كان لي واحد البلاصه الكراج العماره واحد السيده اللي كان من عندها كتقول لي ماشي مشكل خلصي لي حتى التريزيام هو خبر على الشكل التريزيام هو الجوج هي كتقول لي واخا حتى ليسونس توسع شويه ونخلص التريزيام هو غلطين الناس التريزيام هو عمرها عندنا بقينا نوفيام ولا بيتيام هو ما كاين حتى دوز مو Être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie, donc on le choisit dès le départ. On n'enseigne pas ce que l'on sait. Elle dit qu'elle s'est boulée l'île ou l'île. Ou est-ce qu'elle s'est faire, elle m'a fait hache. Mais en tout cas, qu'elle dit qu'elle s'est boulée l'île, qu'elle s'est boulée l'île, qu'elle s'est boulée l'île, qu'elle s'est boulée l'île. Je pense que je suis liée chez ma mère. Et j'ai tellement je la voyais adorée par ses élèves, un prof de français, que inconsciemment, j'ai suivi le métier de ma mère. Alors, on n'enseigne pas ce que l'on sait. Elle dit dans la traîne, la promenade. Elle dit tout ça, qu'elle voyait, on changera beaucoup dans nos comportements d'enseignants. On n'enseigne pas ce que l'on veut, on enseigne ce que l'on est. Alors, je suis là, Rachida, ou juste Choukri, Cléo, parce que j'ai vu des êtres rayonnants. Et ils vont vraiment faire aimer la langue arabe à leurs étudiants et élèves, parce qu'ils vont enseigner ce qu'ils sont. C'est Karad Domiat. Ce que tu es. Assez, rouge de l'enseignement, quitte l'enseignement. L'enseignant n'est pas la somme de ses savoirs. L'enseignant, c'est la somme de son être. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? Chérie Yeshua, donc qui tu es? Faut pas tous mettre debout. Se toucher Hajj avec moi. L'idée c'est l'exercice, je te retrouve. Qu'est-ce que tu vas écrire, Esther, à côté de moi? Non, vous n'allez pas écrire quelque chose de négatif. Vous allez quand même écrire votre prise de conscience. Oui, écoutez, Esther, exprès, c'est fait exprès. Hein. Dans les résultats obtenus dans mon laboratoire, 98 à 97% des personnes sont. Ils partent. Qui est une nébirette? Tléterimia? Qui est une nébirette? Celui qui s'en rend compte, ça veut dire qu'il a un problème psychologique. Sauf s'il a déjà fait le truc avant. Sauf il a arrêté. Tous les étés de Sifri. A dit celui qui te souffle, hein? Un dégoût. Je veux comprendre pourquoi ça et ça et ça et les procédures. Sa schéma, structure. Je fais que nous. C'est le bien, je vais faire la fin. Il faut que je me Qui tu es? Qui tu es? Levez-vous, laissez les feuilles. Alors on va bouger dans cette salle. Vous allez vous mettre à deux. Personne A, personne B. Je vais vous donner un chrono. D'habitude, on le fait sur 5 minutes. Mais pour. Allez, c'est une fois. Alors, pour. Les autres, pour, en fait, on va dire, dans le souci pédagogique. Dans le souci pédagogique de l'activité, nous allons la faire dérouler effectivement, ou c'est dématisé, effectivement, notamment, éventuellement, généralement, on va dire généralement, même si elle y est, je prends un jour rouge. Alors, à dire le chrono,
تيليفوني عند ماما وحق الله الا كيجي كاش جو مي رون كونت كو جي يوتيليزي اون فان جو في يوتيليزي انكور الكرون والله ما كاين شي حاجه غادي الكرون غادي توقفوا غادي نعطيكم دو مينوت شاكا ملي نقول طوب ثاني طوب شفتي ملي نقول طوب لا بيرسون ا va bien tout lien personne A et personne B. Pendant deux minutes, je vais dire à Julia qui tu es. Elle va me répondre. Let's go. On voit qui tu es. Let's go. On s'attend à la fin. Qui tu es. C'est la seule question que je peux poser. Aucune autre. Je ne parle pas, je n'aide pas, je ne dis rien. Je dis que qui tu es. Et la personne, elle parle. Il explique qui tu es jusqu'à ce qu'elle parle. L'exercice se fait en 5 minutes, vous allez comprendre. On va le faire en 2 minutes. Demain, je vais. Et c'est allez, A, B, une fois je fais top. Calme-moi. Avec les quelques sous, on a des jambes, avec les jambes, avec des sous. Ok? On travaille en binôme. Allez-y, debout, debout, debout. Maintenant, je vous aide. Debout, 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 debout. Bougez dans la salle. Yalla. D'abord, mettez-vous. Mettez-vous avec des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes que vous ne connaissez pas. Juste pour l'ambiance.
tes remerciements. Je les reconnais et je les prends pour moi. Vous savez, pourquoi on remercie tous les profs qui nous arrivent. Il faut écrire un livre sur la psychologie des profs. Un prof, quand on le remercie, il est chemin. De manière générale, mais vous nous merci, les parents qui disent parce que juste dans nos têtes, je vous ai dit, être prof, c'est un choix de vie. Et donc on peut pas être prof comme ça, parce que c'est un individu, on a une mission de vie. La mission j'ai un lire maritime que je me rate comme prof et tu as le partage de savoir. Ok, je brime le message. Donc nous portons en nous ça. Donc il y a des gens qui disent merci, que j'ai dit naturel. Je dis merci, apprenons à accueillir le merci, on va le faire tout à l'heure, après la pause. Alors, comment vous avez trouvé cette activité? Assez éprouvable. Allez, j'ai ici, on va faire un partage. Éprouvante. Choukri. Qu'est-ce que tu penses? Non, je pensais que tu as fait ça. T'es ouais. J'ai touché le fond, et c'était la mocardoche. Dis-moi, on veut s'en sortir seul.
Dis-moi, qu'est-ce que pris? Mais on ne demande pas de l'aide. Je suis famille Louélida, battante. Ou cette seconde battante, soldat du savoir. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai dis-moi, bouhé, clé! Ou c'est de l'équipe qui est la chine? La clé! Clé, vraiment clé! Dis-moi, ouais, ma mèche, c'est qu'est-ce que tu veux? Ma quelle calèche! Mais ça, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais dans l'autopuissance. On appelle ça l'autopuissance, et vous le savez. Donc, il faut revenir à soi. Donc, je reviens. J'ai au mot. Les mots. C'est réel. Cette activité. Un mot. Ouais, très intéressant. Mais je propose qu'on fasse cet exercice tous les jours pour nous voir. Il m'a caché une seconde. Non. C'est important. C'est l'air. Déstressant pour toi. Très bien. C'est tout. On veut pas de problème. Oui.
pourquoi je reviens. Oui. Pourquoi? Pourquoi je reviens à l'intérieur? Oui, 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 dites-moi. Pour que tu t'en fous un peu. Tu le connaissais? Okay. Très bien. Non. Oui. Parce qu'il est très bien intérieur. Génial, super, ça va les aider énormément. Exactement, on a un bon message de tous. Merci. Parce qu'il y a un message. Bon. Une chine et mes questions, etc. Oui. Mais un ami d'écrivain, comme je disais avant de commencer, c'est qu'un certain la dernière question, il fallait que vous montiez tout le temps. D'accord. Ce n'est pas question de génie ou de la date, c'est une question de l'administration. Très bien. Oui. Alors, les reprendre les élèves. Oui. C'est à vous de répondre. Les reprendre les écoutez, ça, c'est très intéressant. Oui, c'est réel. Les reprendre les élèves, qui est pour moi, elle est en. C'est la fin. C'est-à-dire à partir de ce moment où j'ai testé, donc j'ai pratiqué un test, j'ai retombé sur mes élèves, c'est que des élèves. Dorénavant, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, toutes les questions que j'ai posées en tant que professeur de SVT, ils faisaient bien attention à la formulation de la question. Oui. Et nous, notre problème en SVT, c'est. La formulation de la question et de la réponse. Ça ne nous rapproche pas, vous avez dit que je vous ai fait peu ou que je vous ai fait peu pas. Bon, je vous fais exprès. J'essaie toujours de vous fixer, de vous suivre, tout simplement pour vous provoquer, pour voir votre réaction, parce que c'est une réaction faite par les élèves et j'aimerais bien voir comment vous pouvez faire moi dans les prochaines semaines. Optimisation du savoir. Moi, j'adore ça. Vous voyez, d'un petit truc, on apprend des choses et puis on sort avec des théories carrément. C'est vraiment extra. Merci beaucoup, Sehani, pour votre partage parce que c'est enrichissant. Je vous ai dit que je ne vous apprendrai rien. C'est juste des situations qu'on va partager ensemble. Et à partir des situations, je suis un petit peu sartrienne, situationnelle, l'individu se définit justement à partir de ces situations. Donc, je ne ramène rien. Je ramène juste un partage, et à partir du partage, il y a des choses qui se font d'elles-mêmes. La Nazra. Pour cet exercice, j'ai constaté avec monsieur. Abdel. J'aurais aimé que ce soit mon prof. Lui, il a parlé d'une manière linéaire. Sans une fois, j'ai posé qui tu es. Et c'est parti, c'était très structuré, et je suis mariée, j'ai dit le normal. Par contre, moi, il m'a pas posé au moins 5 ou 6 fois qui tu es. Et ça m'arrivait, c'était pas structuré. C'était pas. J'ai besoin peut-être de cet exercice plusieurs fois pour pouvoir vraiment parler avec soi-même. Mais je vous ai pas dit que il est structuré. Structuré. Monsieur, je suis mariée. C'est pas par hasard qu'il a mis quelque chose sur la tête. Prenez-le en fin de séance et dites-lui une seule question, une seule, qui
qui va lui permettre d'avancer. De quoi tu as besoin? C'est tout. De quoi tu as besoin? Il va parler de ses besoins, ça va partir de l'intérieur. Ne lui dites jamais pourquoi tu fais ça. Pourquoi parle à la tête? Et ça crée encore plus de blocage. Le mot pourquoi, bannissez-le du vocabulaire. C'est le mot bloquant de l'être humain. Parce que s'il savait pourquoi, il ne ferait pas ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait. Pourquoi, ça bloque. Donc juste, de quoi tu as besoin? Enseigner, c'est collaborer. Enseigner, c'est planifier. C'est susciter la participation. Tout ça, vous le savez, c'est savoir motiver, animer, communiquer. Savoir adapter, je vous ai dit, il y a de quoi écrire des livres sur ça. Enseigner, c'est agir comme médiateur, c'est donner de la rétroaction, c'est apprendre. Enseigner, c'est savoir se remettre en question. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. De temps en temps, on se remet en question et ça fait du bien. Enseigner, c'est connaître sa responsabilité. Il faut avoir peu d'ambition et encore moins d'idéal pour se sentir à l'aise dans l'enseignement. Parce que tout ça, c'est lourd à porter. Et si on n'a pas d'ambition, et on n'a pas surtout d'idéal, on ne peut pas avancer dans ce métier. Finalement, c'est lourd tout ça. C'est pour ça que de temps en temps, ça va très mal chez nous, les enseignants. C'est pour ça qu'il faut revenir à soi de temps en temps pour aller lui poser des questions et se faire du bien. Mais dans tous les cas, même quand c'est lourd, c'est très délicieux. On adore ce métier, avec même tout ce qu'il apporte en lui, mitigé, de difficile, de prenant. Une âme peut se dire généreuse lorsqu'elle prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et toutes les personnes, d'ailleurs c'est une loi universelle, si vous voulez recevoir, donnez. C'est pas par hasard ces grands milliardaires qui investissent dans des associations, dans des dons, etc. C'est parce qu'ils ont compris qu'on ne peut multiplier son chiffre d'affaires que lorsque nous donnons. D'ailleurs on a ça, cette quête. On n'a pas besoin de livres autour de ça. Donc en fait, une âme peut se dire généreuse lorsqu'elle prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je vais finir, avant d'aller à la pause, avec une petite histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'arbre généreux? Hey, giving tree, giving tree. Il y a déjà un petit mot en anglais. Est-ce que vous connaissez cette histoire, l'arbre généreux? Alors, l'histoire de l'arbre généreux, il s'agit d'un arbre. Julien, tu l'as connu? Non. Il s'agit d'un arbre, l'histoire d'amour entre un arbre et un enfant. Un enfant qui joue tout le temps, tu l'as connu, sous les branches de l'arbre, un pommier, sous le bras, les branches de l'arbre, il s'amuse. Et puis donc l'enfant progressivement grandit, à chaque fois qu'il grandit, moi je dis que l'on ne tient pas cher jeune. Il grandit, il ne revient plus. L'arbre, en fait, il reste frustré. Mais pourquoi l'enfant n'est pas là? Parce que moi, je suis qu'un arbre. Et en fait, je me sens seule, je suis clouée au sol, je ne peux pas bouger. Il n'y a que cet enfant qui me donne de la vie, me fait sentir la dynamique de la vie. Et puis un jour, l'enfant disparaît. Et puis il revient, il a eu son bac, il a besoin de cet arbre. Il revient voir l'arbre et l'arbre lui dit « Mais enfin, où est-ce que vous étiez ?» Et donc l'enfant, il dit « Écoute, j'ai fait mes études, moi j'ai fait ma vie, mais maintenant j'ai besoin d'argent pour continuer après le bac, parce que je n'ai pas les moyens. » Et l'arbre lui dit « Tiens, tiens mes pommes !» Il se dirige dans tous les côtés, il lui donne ses pommes, « Va les vendre, ils vont t'apporter de l'argent, et fais ce que tu veux dans tes études. » Alors il prend là les pommes, il va les vendre, il fait ses études, et l'arbre reste triste parce que l'enfant disparaît. Il ne revient même pas pour lui dire merci. Il ne revient même pas pour lui donner des nouvelles. Il lui téléphone même pas. Enfin, les arbres ont des smartphones, franchement. Et c'est parti. Et puis un jour, l'enfant revient. Il revient avec une petite barbe. Et là, lui dit, mais où est-ce que vous étiez? Vous m'avez laissé seule. Et l'enfant lui dit, mais écoute, tu m'as donné de l'argent, tu m'as donné des pommes. Je les ai vendues, je fais des études. Maintenant, j'ai mon master. Et maintenant, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame. Et en fait, on veut se marier. Mais il me faut une maison. Et l'arbre lui dit, tu veux une maison, c'est facile, prends mes branches, tiens mes branches, toutes mes branches, toutes mes branches. Avec ces branches-là, tu vas construire une belle maison. Alors l'enfant prend les branches, il part, il construit sa maison, fait ses enfants, se marie, il disparaît. L'arbre est toujours à la même place, sans branches, juste avec un tronc, triste, en attente de quelqu'un. L'enfant revient. Ah mais elle écrit, je te réunis, pourquoi tu me laisses?
Maintenant, j'ai une responsabilité, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai des enfants. Mais maintenant, tu sais, les enfants, ils ont des demandes, ils veulent voyager. Et je n'ai pas comment faire pour voyager. Bibi, tu veux voyager? Tiens mon tronc, prends tout mon tronc, fais-en un bateau, fais-en ce que tu veux et voyage avec tes enfants. L'enfant prend le tronc et reste que la petite souche en bas, il disparaît. Et puis la petite souche reste très longtemps seule, des années, jusqu'à un moment donné où il voit quelqu'un arriver, là, quoi, quelqu'un arriver. Un vieil homme, vieillard. Il lui dit, mais qui tu es, vieil homme? Il lui dit, moi je suis l'enfant qui jouait sous tes branches. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, je suis vieux. Mes enfants sont partis. Je suis fatiguée. Ma femme est morte. Je me sens seule. Elle lui dit, tu es seule, viens t'asseoir sur ma souche. Moi aussi je me sens seule et on va faire un chemin ensemble. Et le vieil homme s'assied sur la souche. Ils font un petit chemin ensemble. L'arbre, c'est l'enseignant. On part, puis d'autres, puis on les croise. Parfois, ils reviennent même pas nous dire merci. Mais c'est pas grave. On va aller à la pause. Merci.